nous, si vous voulez, on est les plus anciens loueurs. On loue des canoës depuis 1973. On a été les premiers dans toutes les gorges du Tarn à mettre des canoës sur la rivière. On faisait ça avec une DS, 6 canoës et 4 kayaks. C'était avec mon père à l'époque. Et c'est vrai que là, il y avait toujours eu sur les barques, puisque c'était le seul moyen de locomotion. Et question de tourisme, après, le canoë a amené ce petit apport de pouvoir après intéresser un petit peu les jeunes aussi. Quoi. Arrête! Et c'est vrai que ça permet d'avoir une autre vision complètement différente de la rivière plutôt que de la route ou carrément des sommets. Mais les trois sont quand même intéressantes. On a démarré il y a à peu près il y a à peine 3 jours. Donc on est réellement content parce que bon, déjà on était tellement impatients de reprendre notre activité. Bon, il est vrai qu'on a dû quand même mettre pas mal de choses en place pour pouvoir accueillir tous nos clients, voilà, et de savoir comment on allait procéder. Mais dès le départ, ça a été quelque chose, on a senti qu'on était content de se retrouver. Qu'est-ce que c'est? Il y a des poissons. Et c'est pas mal parce que le fait d'avoir ces personnes qui arrivent petit à petit, ça nous permet de nous rendre compte comment on devra procéder, ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. Et après, je veux dire, une fois qu'on arrive au moulin, généralement, les gens sont enchantés. Rien que le lieu, regardez, vous constatez vous-même, hein, le lieu est magique. Je sers un petit peu de guide quand je remonte la clientèle, c'est-à-dire que pas de soucis au cirque des Baumes, je leur raconte tout ce qu'on peut voir jusqu'ici, puisque tout ce qu'ils n'ont pas pu voir du niveau de la rivière, tout ce qu'on voit au niveau de la route, je leur parle autant de la Dame à l'Ombrelle, des Détroits, de la Croze, de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'eux ils verraient pas, de la tête du Christ, au cirque des Baumes aussi. En premier, c'est la rivière, puisque les gorges, elle ne vit que par la rivière. Avant, la rivière, c'était la route. Et on se déplaçait uniquement qu'en barque, qu'en bateau. C'est un lien, hein, la rivière. Hein. On a un lien très fort, nous, avec la rivière. C'est notre quotidien. Et c'est grâce à cette rivière, ma foi, qu'on peut vivre à la Malène. Mais là, si vous faites 360 au niveau des falaises, ben on est vraiment fermé au niveau visuel, en fait. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le cirque des Baumes. Et une baume, ça vient de l'occitan aussi, c'est en fait un abri sous roche. Et dans le cirque, il y en a beaucoup qui sont recensés. Donc c'est le nom vient en fait du combo du cirque avec les différentes baumes qu'on peut retrouver dans le cirque. Le cirque, de toute façon, c'est pratiquement la fin de l'encaissement des gorges du Tarn, vraiment la partie la plus resserrée. Donc, en termes de paysage, je pense que c'est une des parties les plus impressionnantes. Après, en termes affectifs, ben, c'est un endroit, ça fait plus de 25 ans que j'y suis et j'ai envie de faire découvrir cet endroit-là aux gens de la Lozère qui ne le connaissent pas. Donc, nos parents ont commencé par reprendre le camping à la ferme de nos grands-parents qui se trouvent 2 km au-dessus de la Malène. En 86, ils ont fait la location des canoës. Donc on partait, tout se faisait du camping. Ils ont racheté ici en 92 pour faire hôtel-restaurant, qui c'était à l'époque un hôtel-restaurant. Et petit à petit, par rapport aux normes, on a laissé tomber la restauration et l'hôtellerie, parce que c'est très très contraignant. Et on a basé les canoës ici. Donc du coup, nous on marche à l'envers des autres loueurs, puisque la base est à l'arrivée, on monte les gens au point de départ, ce qui permet aux gens de mettre tout le temps qu'ils veulent pour revenir jusqu'ici. Et on fait ça depuis, oui, les années 2000.
dans ce sens-là. Saisonniers que vous embauchez, est-ce qu'ils voient les choses comme ça en général aussi? Ils font presque partie de notre famille, les saisonniers qu'on a, parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Et ils sont amoureux de la nature, ça c'est sûr. Ils viennent là parce qu'ils sont amoureux de la nature et ils ont appris comme nous à vouloir faire découvrir notre territoire. Ils sont pas forcément d'ici, mais sont tombés quand même amoureux du territoire. Et ils sont là pour faire découvrir le territoire à ceux qui ne le connaissent pas. Voilà le pas de souci. Alors, c'est un carreau rocheux, mais infranchissable. On ne peut pas le passer en canoë. Mais le pas de souci est quelque chose qui ne peut pas se naviguer. Et là, quand le Tarn monte, c'est extraordinaire parce que ça fait un bruit de machine à laver. Quoi. Tous les rochers font des remous, il y a des dronçages et tout, c'est fabuleux. Quoi. On entend le chut. Nous, tous les locaux, quand le Tarn monte, on vient au pas de souci pour voir le pas de souci en plus. Et là, notre papa a connu quelqu'un qui habitait là. C'était très rustre, comme on dit. Ici, on se retrouve donc au niveau des baumes hautes. C'est là où a commencé la vie, au niveau du cirque des baumes. On voit des maisons troglodytes, semi-troglodytes. Donc, troglodyte, ça veut dire un voire deux murs directement dans la falaise, donc pas construit du tout en pierre. Ces maisons sont abandonnées depuis une crue de 1900 qui a mis les habitants en grand péril puisque l'eau est montée jusqu'au niveau de la toiture et les gens sont restés bloqués sur la toiture pendant plusieurs jours. Donc les gens qui en sont revenus ont décidé d'abandonner ces fameuses maisons qui sont superbes. Et ils ont décidé de construire là où on se situe, donc à peine un kilomètre au Cirque des Baumes, où là, justement, si une crue arrive, ils peuvent justement partir sur les montagnes et sur l'Écosse. D'accord. Voilà. Et donc là, juste un peu plus loin, il y a le 107. Peut-être on peut s'avancer, on la verra là. Ouais. La nacelle. Donc ici, il y a la route qui est divisée en deux parties aussi, c'est à sens unique. Et à l'époque, donc la route date de 1905 ici, elle était juste la partie du haut. La partie du bas était faite après. Donc vous allez voir, c'est assez étroit et se retrouver face à face, c'était compliqué. Et quand le Tarn monte, elle est aussi à sens unique, puisqu'en bas, justement, on ne peut pas y accéder puisque le Tarn arrive sur la route. Voilà notre Tarn émeraude. Il y a beaucoup de poissons à l'intérieur. Pour les amis pêcheurs aussi, c'est assez sympathique. Les gorges du Tarn sont assez réputées aussi pour la pêche en début de saison. Et ce qui est particulier, c'est que d'une saison à l'autre, on a le Tarn aussi qui change de place en fonction des crues et de la période. Donc ça, c'est aussi assez atypique par rapport à une rivière. Quand on n'a pas l'habitude de la voir, cet été, elle était plus de l'autre côté. Alors que là, maintenant, on l'a vraiment de notre côté à nous. Mais après, voilà, on travaille de toute façon ensemble, les décisions sont prises en commun. Et sur ce qui est sur place, on fait le même travail toutes les deux, l'accueil, porter les bateaux, ou s'occuper de nos clients, voilà. On vient pas au travail avec la boule au ventre, ça c'est sûr. Cette saison a été très spéciale. Début de saison, on était vraiment très apeurés de tout ce qui se passait par rapport au Covid, au protocole. On se demandait si on allait pouvoir ouvrir. Puis en fait, quand même, on a pu ouvrir fin juin, mais début juin, on n'a pas pu ouvrir parce qu'on a eu une très grosse crue. Donc en plus du Covid, on s'est retrouvé avec le Tarn trop et on n'a pas pu louer nos canoës. Et en fait, il s'est avéré que les Français, les locaux, beaucoup, beaucoup de locaux sont venus et ont vraiment aidé le tourisme local à se développer. Et on a passé vraiment un mois de juillet et d'août très spécial et avec énormément de monde, chose qu'on n'aurait jamais cru. Quoi.